pour Tell me where we are and what we do. We are in Trek. No, we are in Spa. Oh, fuck yeah. In Spa. No, we're in the truck in Spa. So. A little truck tour in the morning. Yeah, truck tour. So we have way more space than before. And we can change. And so we're going to change in a little bit. Practice is at, I think, 10:50. So, and I'm the last in the car. But I'll get my racing suit in about 30-40 minutes, and we have a small briefing and stuff like that. So is your racing suit up here? Yeah, it is. Show us. Brand new racing suit. Check this out. So I took kind of the same design as before for the racing suit I had for the DTM. So you have again Laboratoire Roquette, my main sponsor for this year. Really cool. Then on the side, Massini Omnicar Service Karting with Buff. They're gonna come today. It's pretty awesome. Rue Bleu ZMP. So yeah, really nice. Takes the color of the team, boots on. So yeah, it fits really well. So I'm super happy. Yeah, as you can see, there's a slight difference in size compared to Karim. What time is it now? It is espresso o'clock. Did you get a new drinking system or what? Yeah, it's for martini or gin tonic, but I don't know what for the moment. Yeah, we have a box here, and there is like radio and drinks. So when you go in the car, it's just one thing. Pretty good. Yeah, but the car looks very nice, and it's always. Yes. I think it's good for you, for the fans, for the team, for the driver. Yes. We always have such a nice livery. You know, it's something okay, special. Thank you. And you do you did 24 hours of the WEC, and then I did do this program. New one. 18 overall, but the other BMW won. Got some updates, but the last update is not. Nous allons enfin. Lost power here. C'est bon, service. Avec le TC à Bruxelles, ça a l'air d'être un peu.
It's not a video. It's a video now. That's for later. It's a video now. Just power nap are the best. Now I'm getting used to it. And like in 20 minutes, I had even a phase where I was like green deep sleep, but then up again, and it's natural. Now like good. T'as bonne longueur là? Ouais, mais après j'aime bien quand il est quand il y a juste un genre 1 cm, comme ça je peux l'enlever et remettre. Okay, t'as pas les attaches à coller ça, avec les à mettre à colson dessus? Je vais passer. That was fun. First time I put new tires on the car, and yeah, it was fun to put. Like I did one lap, like Radion flat out. Yeah, it was fun. But then after it was like a little like sliding, but yeah, it's really fun. And it changed the car, the tires, like wow. Like this morning it was like, hey, what the fuck is that? And now it's like more like a race car, but yeah, we need to work on that. Quel plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir, hein. C'est quelque chose de particulier d'être ce week-end déjà au départ des 24 heures de Spa et surtout avec cette magnifique livrée. Deuxièmement, de tous les albums de Michel Vaillant, est-ce que tu as un album que tu préfères particulièrement? Alors, quand j'étais petit, celui qui m'a fait le plus rêver, je pense que c'était 300 km dans Paris. Ouais. Parce que le circuit, les voitures des F1 de l'époque, et c'était vraiment la précision de cet album qui était vraiment incroyable. J'allais dire un petit Michel Vaillant, c'est pas pour ta taille que je dis ça, mais voilà qui fait que tu te sens en fait en adéquation avec ce héros. Non, ce que j'ai toujours aimé de Michel Vaillant, c'est que généralement il dénigrait aucune catégorie automobile ou de compétition. La course avec Michel Vaillant, ça reste la course. Et en fait, c'est là une fois j'étais tombé sur une page de forum qui avait répertorié toute la carrière de Michel Vaillant avec ses victoires au championnat du monde F1, le WRC, etc. Et c'est quelque chose qui me fait tellement rêver en fait d'avoir d'avoir vraiment tellement une belle carrière. Que je pense que c'est une des valeurs. Après, bien sûr, on sait que Michel Vaillant est sportif, il est tenace, il a la niaque,
esprit d'équipe. Et non, il y a plein de choses. Ouais, non, non. Michel, ouais. Maniaque. Michel, non, non, ouais, non. Je pense que. On est dans les box, ça fait un peu chaud. Donc, non. Pour moi, la livrée, au début, quand on m'avait dit, ouais, j'étais tellement heureux d'avoir Michel Vaillant, en fait, je me dis, ouais, ça va être une arcade, comment ça va être. Et au final, on a cette petite vitesse avec le roi, et on garde les couleurs Michel Vaillant qui nous enchèrent, le bleu, le rouge, le blanc. Donc, franchement, ça va, c'est vraiment beau. La question, c'est que la voiture est belle. Mais toi, c'est comme tous les pilotes, elle sera belle que si elle est vite. Donc, il va surtout falloir qu'elle soit rapide. Bon appétit. En retard, je vais te dire que par rapport à ce que je vais dire. Hello. Le chrono record en 2:17.360, James Calado, 2:17 sur la fente. Laurent Mercier, regarde les temps réalisés aujourd'hui en essai libre, en essai préqualificatif. Ça ne s'est pas fait, donc on est resté avec une voiture qui... On reste sans aucun doute Nico Bastian, le pilote allemand en deuxième position sur la Mercedes, troisième position pour Simon Gachet sur une autre Mercedes. On a Gainspeed d'un côté, on a Gainspeed de l'autre. Thomas toujours là sur l'Aston Martin de l'équipe Garage Chagrin 9 et 4e, 5e position pour Ezequiel Perez-Campagne sur la Mercedes de l'équipe des années passées. Pour la gare, ce sont aussi bleus en 1 et en 3. Ce qui est remarquable d'ailleurs, Lamborghini qui... Radio check. Hallo. Hallo. Ich höre nichts. Kaputt? Nee, das macht gar nichts. Hallo. Une fois encore ici, avec deux francophones, le jeune Pierre. Ouais, il faut toujours un tour. J'ai eu de la chance parce que j'ai croisé la ligne et puis le drapeau rouge est sorti juste après. Je suis très heureux de la voiture. Mon ami est premier, donc c'est fantastique. J'essaie de trouver des trucs, mais je ne sais plus. The real one, I like. Aucune marque ne domine. On s'attend à vivre une édition exceptionnelle. Ce sera la septembre.